Alors, après le 1 vient le 2. Après le 2 vient le 3. 3. Après le 3 vient le... Coucou les petits copains, les petites copines. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en pleine révision. Je révise les chiffres. Bon, je ne vous cache pas que c'est un petit peu embêtant, les maths. Moi, ce que je vous propose, c'est de réviser ces chiffres en s'amusant. Parce que vous savez bien que sur Alice Magic World, on ne fait jamais rien de rébarbatif. Non, on aime bien s'amuser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un jeu vidéo que j'ai connu dans mon enfance et on va réviser les 9 premiers chiffres des maths. Hein, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, je vous invite à découvrir ça avec moi. Générique! Alors, après le 8 vient le 9, je sais plus. Oh, et nous voici les petits copains et petites copines. Eh bien voilà, je suis installé, je suis devant mon ordinateur, mon Amiga, et je suis prêt à lancer ce jeu. Alors, je vous explique très rapidement. Nous allons incarner Mickey, oui, Mickey Mouse, et cette brave souris a l'intention de fêter l'anniversaire de Tic et Tac. Mais pour fêter, il faut le préparer. Et donc, elle va devoir acheter des choses, envoyer des invitations. Et pour cela, il va falloir compter. Donc, je vous invite à découvrir avec moi ce petit jeu bien sympathique. On y va? Allez, c'est parti, on le lance. Donc, moi, je mets mon écouteur dans l'oreille pour entendre les sons. Déjà, il faudrait qu'il tienne, hein, cet écouteur. Il n'a pas bien envie. J'ai des oreilles bizarres, les petits coins de copines. Il faut que vous le sachiez, les écouteurs ne tiennent pas sur mes oreilles. Il n'y a que les casques qui tiennent. Je ne sais pas pourquoi. Je dois avoir des circonvolutions un peu bizarres. Je ne sais pas. Peut-être aussi parce que je ne le mets pas comme il faut, j'essaye. Ah ben là, ça tient! C'est parfait, ça! Bon, allez, les petits copains et copines, on lance le jeu et on se lance dans l'aventure. Donc, je compte sur vous pour m'aider, pour me dire à chaque fois 1, 2, 7, 8, 9. Bref, on y va. Moi, je suis prêt à taper. C'est parti! Ah, bon, Mickey roupille. Il fait sa sieste. Il en écrase, hein. Effet. Appuie sur une touche avec un chiffre. 4. 1, 2, 3. Oh, il a pris mal le bouton. Aujourd'hui, j'organise l'anniversaire de Tic et Tac. Je vous l'avais dit. Donc Mickey va organiser l'anniversaire de Tic et Tac. Il se rend à l'extérieur. Bon, là, il est sur la route et il y a 3 chemins possibles. Voyons. Où vais-je aller? J'adore la musique. Effet. Appuie sur une touche avec un chiffre. Appuie sur 1. De jouets, faire un cadeau. Ou appuie sur 2 pour aller acheter à manger pour la fête. Ou appuie sur 3 pour aller poster les invitations. Allez dans l'ordre. Je vais aller à la fabrique de jouets. Choisis un véhicule pour Mickey. 1. Essaie. Appuie sur une touche avec un chiffre. 1. Roue. Oui, une roue. Ah, vous faites de la roue. 2. 1. 2. Roue. Une moto. 3. 1. 2. 3. Roue. Un sidecar. 4. 1. 2. 3. 4. Une voiture. Une voiture. Une voiture. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Roue. Une voiture avec une roue de secours. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Roue. Un truc bizarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, roues. Ça va être un truc bizarre avec une roue de secours. Pas manqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, roues. Oh, des rollers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, roues. Une camionnette avec une roue de secours. Ah, on est arrivé. Lumière. Je vais faire un jouet pour Tic et Tac. Oh, il y en a plein. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, la locomotive, là. 5. 1, 2, 3, 4, 5. La loco, la loco. Oh, on va la fabriquer. Oh, une machine de fou. Bon, j'appuie sur 1. On verra bien ce qui se passe. Oh, un molar. Qu'est-ce que c'est que ça? Un crachat. De la mort.
Ok, grippe, hein. Appuie sur le 2, on verra bien. Un couteau. 1, 2. Appuie sur le 3. Une crêpe. J'appuie sur le 4. On va faire toutes les étapes. 1, 2, 3, 4. Waouh, écrasé. Allez, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Petite douche gratuite. 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est cramé! Allez, étape numéro 8! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh, dernière étape, étape numéro 9! Ça ressemble pas trop à une locomotive, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tous ces coups de peinture pour revenir au vert finalement! Elle est où ma locomotive? Elle est où? Elle est où ma loco? Elle est là! Magnifique. Et il manque le paquet cadeau là. Ce serait bien de mettre un paquet cadeau. Voilà! Oh, c'est tout prêt! Oh, Tic et Tac vont adorer leur loco. Et un coup de pied. Merci. Bon, on passe à la suite. Hein. Alors, on se retrouve dehors. On va prendre le numéro 2. Voyons. Où vais-je aller? Au supermarché. Je vais aller au supermarché. Bah oui. Logique. Une roue. Oh, t'aurais pu choisir la voiture quand même, Mickey. Tu vas mettre une heure avec ta roue là. Moi je fais ça, je tombe. On est arrivé. Je vais acheter à manger et des ballons pour la fête. Des burgers. 9, j'en veux 9. Combien dois-je en acheter? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On dévalise. Hamburger. Allez, on dévalise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sachets de frites. Ouais, ouais. Allez, 9, ça aussi. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pommes. Oh, 9, du lait, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 litres de lait. Des ballons, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ballons. Hein? Mes ballons? Mes ballons? Salut Mickey! Sac en papier ou en plastique? En papier! En plastique, s'il te plaît, Dingo! Bah non, je voulais en papier! Bon bah tant pis. Plastique, c'est pas très bien pour la planète, hein. Bon, les burgers, on les compte. Mickey a acheté 9 hamburgers. Je confirme, il n'en manque pas. Les frites maintenant, il y en avait 9, hein. Mickey a acheté 9 sachets de frites. Je confirme, il n'en manque pas non plus. Bon, les fruits, là, les pommes, il y en avait 9 aussi, souvenez-vous. Mickey a acheté 9 pommes. Le lait, 9 litres, nous avions acheté du bon lait Candia. Mickey a acheté 9 litres de lait. Et les fruits, il y en avait 9 aussi. C'est les ballons, peut-être. Ah non, c'est les ballons. Mickey a acheté 9 ballons. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine, Dingo. On n'a même pas payé. Alors, il nous reste 3. Voyons. Où vais-je aller? 3. Je vais aller à la poste. À la poste. Je suppose qu'il va poster les invitations. On a de quoi inviter 9 personnes. Il est où le postier? Je vais envoyer les invitations. Il y a bien 9 personnes. Voyons. Qui vais-je inviter? Bon, on commence par le premier. Je crois que je vais inviter Dingo. Oui, c'est le premier. Oh, c'est rapide. Hein? Voici la maison de Dingo. Et le postier lui apporte son invitation. Rapide. Je t'invite à fêter l'anniversaire de Tic et Tac. De Tic et Tac. Après, on
va inviter Daisy. Numéro 2. Je crois que je vais inviter Daisy. On va inviter dans l'ordre. Le postier, il est à fond. Il est hyper, hyper actif. 1, 2. La maison de Daisy. Ah, elle est mignonne. J'aime bien. Je t'invite à fêter l'anniversaire de Tic-Tac. Il me fait flipper. Ensuite, c'est qui? Je crois que je vais inviter Mini. Ok. Il réagit du tac au tac, c'est incroyable. 1, 2, 3. Alors, Mini habite au 3. Sa maison est immense, hein. Elle est rose. Je vois le coffre de Picsou tout au bout. Je t'invite à fêter l'anniversaire de Tic-Tac. C'est là qu'il craque, il dit autre chose. Allez, Donald. Je crois que je vais inviter Donald. Beau service. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est que ça? Il habite un bateau, Donald. Ok, pourquoi pas. Suivant. Picsou, après Picsou. Je t'invite à fêter l'anniversaire de Tic-Tac. Ouais, c'est Picsou 5. Je crois que je vais inviter Poule Picsou. Allez, passez. Au bout. Là, t'as du trajet à faire. Il faut aller jusqu'au coffre. 5, 4, 5. Voilà, on est arrivé au méga coffre rempli de pièces d'or de Picsou. Je t'invite à fêter l'anniversaire de Tic-Tac. Allez, suivant, j'ai cru voir Horace. 6. Je crois que je vais inviter Horace. Oui. Allez, postier. Mais il attend que ça en fait. Il est derrière, il attend. 1, 2, 3, 4. Oh, elle est belle cette petite maison rose. Allez Horace, on t'invite à fêter l'anniversaire de Tic-Tac. Je t'invite à fêter l'anniversaire de Tic-Tac. Il pourrait écrire autre chose quand même, hein. Oh, Clarabelle, 7. Je crois que je vais inviter Clarabelle. Allez, en route. 1, 2, 3, 4, 5. Tourne. Et il pourrait faire ça en une fois en fait, hein, je suis en train de réfléchir. Je t'invite à fêter l'anniversaire de Tic-Tac. C'est vrai, hein. Il pourrait faire ça en une seule fois. J'ai déjà invité Tic-Tac. Voyons, qui t'ai-je invité? Allez, 8. Je crois que je vais inviter Cuche. Allons-y, je connais pas bien eux, hein. Donc là, le postier est reparti. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on arrive au bout, les petits copains et copines. On a nos 9 invités. Je t'invite à fêter l'anniversaire de Tic-Tac. J'adore. Bon, on passe à la suite. Ah, 4. Voyons. Où vais-je aller? À la fête. Je vais aller à la maison. Oui, enfin, à la fête, quoi. 4. C'est là où on va fêter l'anniversaire, à la maison. Ah, la cuisine. Oula, des spilés. Dépêche-toi, Mickey. Oh, belle banderole. Oh, la déco. Belle déco. Bon, maintenant, faut que tout le monde vienne. Oh, tout le monde est là, regardez. Oh, ils sont contents! À table! Combien dois-je en donner à Daisy? Bah, donne-en un! Un? Un? Une? Oui, une part chaque! Un? On partage! Un? Un? Une? Un? Ah. Faut que tout le monde en ait! Il y en a pour tout le monde de toute façon. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Allez, on arrive à la fin. 1, 1, 1, 1. Plus que 2 invités ou 3 invités? 3. Une. Un.
2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. À la fin, c'est un peu juste. Oh non ! La fin était un peu juste quand même, hein. 1. Daisy ! Salut Daisy, la fête est finie, ils rentrent chez eux. Ça a été rapide. 2. Allez, salut Lily ! Et ils s'en vont en dansant, c'est top. 3. Qui s'en va ensuite? Allez Dingo. Oh, il fait des trucs avec ses genoux, j'adore. Salut Dingo. 4. Allez, salut Donald. Oh, il fait le fier un petit peu Donald. 5. Suivi par Oncle Picsou. Ils ont l'air tous très contents, ils ont apprécié la fête. Hein. Oh, il nous fait un truc de russe là, Kazachok. 7. Oh, Clarabelle, Clarabelle, la vache qui est très belle. 8. Oh, Tic et Tac qui s'en vont. Je suis étonné que la fleur ne danse pas non plus. 9. Oh, et au fait, on n'a jamais donné de cadeau finalement. Jamais vu de cadeau. Non, je ne sais pas. C'est terminé, je crois. Il va roupiller, j'en étais sûr. Et voilà, les petits copains, petites copines, bah, c'est terminé. Ah oui, c'est terminé. Voyons, on peut recommencer. Bon, allez. Merci d'avoir joué avec nous. Elle nous disait quelque chose, madame. Voilà, c'est vraiment terminé. Oh, c'était génial, les petits copains, copines. Vous avez vu, on a réappris, on a révisé les chiffres de 1 à 9. Bon, je vais couper. Voilà. On a réappris donc ces chiffres de 1 à 9. C'était sympa. On s'est amusé en les récitant. C'était sympa. Par contre, comme je vous disais, je n'ai jamais vu à aucun moment Mickey offrir ma locomotive à Tic et Tac. Est-ce que vous pensez qu'il l'a gardée, les petits copains, petites copines? C'est très possible. Coquin ce Mickey. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez, quand on révise sur Alice Magic World, c'est toujours, toujours en s'amusant. Bon, vous faites gros bisous, likez, partagez, commentez. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des pouces bleus. Vous savez qu'on a déjà révisé tout un tas de choses sur Alice Magic World grâce aux jeux vidéo. Mais ça continuera si vous aimez. Vous faites gros bisous et on se laisse sur ce qui tient jamais dans mes oreilles. Les écouteurs. Oh, les écouteurs, les écouteurs, les écouteurs, les écouteurs, les écouteurs, les écouteurs.